suites du nivellement. Hein? Les suites du nivellement. Moi, j'ai un sol là, qui est vraiment que j'ai, pour lequel j'utilise des méthodes vraiment favorables à la structuration. Ça fait 20 ans que je mets de la bentonite à toi. Mettons, ça fait 20 fois que je mets de la bentonite, sinon 25 fois. Il y a du compost à peu près 3 ans sur 4. Il y a un compost de fumier de vache d'une ferme qui était longtemps en biodynamie avec bien de la paille. Puis, je ramasse une pelletée de terre, je peux avoir 20 verres dedans. Puis, j'ai encore des strates. Au départ, c'est un sort bien particulier, avec une structure très faible. J'ai arrivé à corriger bien des défauts. Puis, il se met encore comme en strates de malheur. Il y a des trous, il y a plein de trous dedans. Là. Ici, là, regarde, il y a des trous. Là. Il y a comme une certaine activité de verre dans ça. Là. C'est pas. Mais un sable, c'est un sol sableux ou un long sableux, c'est normal que quand ça se densifie, ça se stratifie en lamelles. Puis c'est la façon dont ce sable-là évolue. C'est quoi qui fait les lamelles? Je peux pas te dire c'est quoi physiquement, qu'est-ce qui se passe là. C'est un phénomène physique là. Et donc, tu casses ça, puis ça sort comme en couche, comme ça, d'à peu près 2 cm d'épais, un petit peu moins qu'un pouce d'épais. C'est à peu près typique.